What's up, man? Bienvenue sur la chaîne Frérot, tu connais. Là, bon, on va parler du football africain, les gars. La deuxième journée des qualifications pour la CAN en Côte d'Ivoire, les amis. Mais là, tu vois, il fait un peu chaud. Je me fais mon petit cocktail, voilà, citron avec de l'eau. Franchement, les gars, la meilleure boisson, pas de sucre. Pour moi, c'est juste parfait. Alors, cette deuxième journée des matchs de qualification pour la CAN 2023, elle a débuté par un match opposant l'équipe du Madagascar avec celle de l'Angola. Elle s'est terminée par un match nul, un partout. Ensuite, Ghana-Centrafrique, aussi un partout. Botswana-Tunisie, voilà la Tunisie accrochée, les gars, hein, la Tunisie qui fait un match nul face au Botswana. Après, on a eu aussi Guinée-Équatoriale-Libye. La Guinée équatoriale qui avait perdu son premier match face à la Tunisie. Voilà, cette victoire face à l'équipe libyenne permet à la Guinée équatoriale de lancer sa campagne de qualification pour cette Coupe d'Afrique. Après, Eswatini-Burkina Faso 3 à 1. On a aussi la Zambie qui a battu les Comores 2-1. La Zambie qui avait perdu son premier match face à la Côte d'Ivoire. Voilà, cette victoire-là permet de lancer la campagne de qualification de l'équipe zambienne. Après, les Comores, voilà, ils ont débuté par une victoire contre les Lesotho. Est-ce que les Comores vont se qualifier pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, les amis? On verra bien. Après, on a aussi le Cap-Vert qui a battu le Togo 2-0. Le Sénégal qui a battu le Rwanda 1-0. Après, bon, Kenya-Namibie, ce match, il était annulé. Ouganda-Niger, un partout. Gabon-Mauritanie, 0-0. Le Congo-Brazzaville qui a battu la Gambie 1-0. Le Congo qui avait débuté sa campagne pour une défaite, là, ils se sont imposés. Après, on a eu aussi Tanzanie-Algérie. L'Algérie qui a battu Tanzanie 2-0. Bénin a perdu face au Mozambique. Et Soudan, République démocratique du Congo. Le Soudan s'est imposé 2-1. Là, ça fait deux matchs au niveau de la RDC. Ça fait deux défaites, les gars. Franchement, la RDC, là, il démarre très très mal la campagne de qualification. Après, on a l'autre Soudan, le Soudan du Sud, qui s'est incliné face au Mali 3-1. Burundi, Cameroun 1-0. Franchement, les gars, pour ceux qui n'ont pas vu, comment dire, au fait, l'après-match de Cameroun-Burundi, le discours de Samuel Eto'o, les gars, franchement, il est saignant. Allez le voir parce que Eto'o, il a déglingué les joueurs camerounais. On a eu aussi Éthiopie-Égypte qui était la plus grosse surprise de cette deuxième journée de qualification pour la Coupe d'Afrique. L'Éthiopie, les gars, a battu l'Égypte, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique, 2-0, les amis. Guinée-Malawi, la Guinée s'est imposée 1-0. Lesotho-Côte d'Ivoire, les amis. Franchement, je me suis dit, j'allais regarder le match de la Côte d'Ivoire. J'ai mis Lesotho-Côte d'Ivoire. Et j'ai pas capté pourquoi le match était en Afrique du Sud. Après, j'ai capté que le Lesotho était à l'intérieur de l'Afrique du Sud. J'ai pas trop capté, mais c'est un pays qui est entouré, voilà, par l'Afrique du Sud, un peu comme la Gambie avec le Sénégal. Mais bon, ce match-là, les gars, franchement, pour ceux qui ont regardé ce match, les frérots, force à vous et force à nous, hein, parce que c'était un match totalement ennuyant. Et ce match-là m'inquiète, m'inquiète au fait, parce que la Côte d'Ivoire, on va accueillir la Coupe d'Afrique. Si le pays organisateur n'est pas compétitif, là ça va être compliqué. Mais la Côte d'Ivoire, les amis, la Côte d'Ivoire qui fait match nul face aux Lesotho, c'est compliqué, c'est compliqué. Afrique du Sud, Zimbabwe, ça a été annulé. São Tomé et Principe, ils ont perdu 10-0 face au Nigeria. Ah ouais, j'ai pas vu ça, les amis. Wow, 10-0. En 2022, on peut perdre encore 10-0. Je sais pas, pour moi, le football évolue, tu vois. Je sais pas. 10-0, wesh. 10 à 0. Ah ouais, les Nigériens, ils sont méchants, wesh. Ah, c'est des méchants. Ah ouais, truc de malade, de ouf, wesh. Sierra Leone, Guinée-Bissau et de partout. Et enfin, le dernier match de cette deuxième journée, on a eu Liberia-Maroc. Le Maroc qui s'est imposé à l'extérieur, les amis. 2-0 face au Liberia. Là, maintenant, on va revenir en détail sur les différents classements, voilà, de ces qualifications pour la Coupe d'Afrique 2023. Au niveau du groupe A, on a le Nigeria qui est premier. Bon, en même temps, s'ils ont battu São Tomé et Principe 10-0, s'ils ne sont pas premiers, frérot, c'est que quelque part, il y a problème. Donc voilà, Nigeria, ils sont premiers. Guinée-Bissau, deuxième. Sierra Leone, troisième. Et bah, São Tomé et Principe, quatrième. Et je tiens encore à rappeler que les gars, au niveau de la Coupe d'Afrique, c'est les deux premiers de chaque groupe qui sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Mais après, je ne sais pas comment ça se passe au niveau du pays organisateur. Parce que si le pays organisateur termine dernier ou troisième de son groupe, bah, logiquement, ceux qui ont terminé premier et deuxième, bah voilà, ils seront qualifiés. Donc les gars, je vais me renseigner sur ça et je vous dirai dans la prochaine vidéo.
Au niveau du groupe B, pour le moment, le Burkina est premier. Ils ont remporté leurs deux premiers matchs. On a le Cap-Vert qui est deuxième avec 3 points. Et ensuite, on a Eswatini et le Togo qui occupent la 3e et la 4e place. Au niveau du groupe C, on a le Cameroun. Le Cameroun qui a joué qu'un seul match. Hein, parce que ouais, le Kenya est suspendu. Je crois bien le Kenya pourra pas jouer la prochaine Coupe d'Afrique. Donc du coup, au niveau du groupe C, il n'y a que 3 équipes. Pour le moment, le Cameroun est premier. Ils ont 3 points. Burundi et Namibie, ils sont à la 2e et la 3e place. Donc voilà, hein, je pense que ce groupe-là, le Cameroun, va se qualifier sans problème. Ça va se jouer entre le Burundi et Namibie. Après, on a le groupe D, Éthiopie, Malawi, Guinée, Égypte. Et les amis, hein, pour le moment, l'Égypte est dernier, les gars, de son groupe. Hein. L'Égypte est dernier, les gars. Vous imaginez, l'Égypte ne joue pas la prochaine Coupe d'Afrique alors qu'ils étaient finalistes. Parce que le groupe de l'Égypte, les gars, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo au niveau de la première journée de la Coupe d'Afrique, toutes les équipes qui composent le groupe D ont participé à la dernière Coupe d'Afrique, les gars. Et en plus, même la Guinée aussi en danger. Parce qu'au niveau de tout ce qui est Golavirage et tout ça, voilà, la Guinée est 3e et l'Égypte est 4e. Mais après, bon, là, ils ont joué que 2 matchs. Il va rester encore 4 matchs. Mais les amis, franchement, l'Égypte, j'ai peur, frérot, j'ai peur de ouf. Après, le groupe E, le groupe du Ghana. Voilà, le Ghana, là, cette nuit, qui a joué face à la Chili, je crois qu'ils ont remporté le match au tir au but et tout. Ils sont premiers de leur groupe. Bon, le Ghana, je pense que normalement, ils doivent se qualifier. Et après, l'Angola est deuxième, au même nombre de points que le Ghana. Ensuite, après, la Centrafrique, Madagascar. Mais en tout cas, l'Angola est bien parti pour jouer la prochaine Coupe d'Afrique. Au niveau du groupe F, l'Algérie. Voilà, l'Algérie est premier, ils ont remporté leurs deux premiers matchs. Le Niger, Tanzanie, Ouganda sont derrière. Hein. Le Niger, ils sont deuxième. La Tanzanie, troisième. L'Ouganda, quatrième. Bon, après, bon, je pense que ça va se jouer la deuxième place entre le Niger, Tanzanie et l'Ouganda. Parce que pour le moment, l'Algérie, ils sont bien partis pour se qualifier. Après, au niveau du groupe G, le groupe du Mali. Pour le Mali, voilà, hein, ils ont remporté leurs deux premiers matchs. Le Congo-Brazzaville a remporté son match face à la Gambie. Donc voilà, ils sont troisième. Après, tu as la Gambie aussi qui avait remporté son premier match. Donc du coup, bah, vu que le Congo a battu la Gambie, le Congo passe devant la Gambie au classement. La Gambie aussi a 3 points. Et après, on a le Soudan du Sud qui a 0 points et qui est bon dernier. Au niveau du groupe de la Côte d'Ivoire, les éléphants, les frères. La prochaine Coupe d'Afrique, elle est en Côte d'Ivoire, les gars. Moi, je vous préviens, on va la remporter. Je dis d'avance, la Côte d'Ivoire, elle remporte la prochaine Coupe d'Afrique. Bon, au niveau du pays organisateur, on est premier. Bon, voilà, on a remporté notre premier match. On a ensuite fait un match nul face aux Lesotho. Ouais, je l'avais dit, il y a eu 0 partout. Voilà, la Côte d'Ivoire, là, on déconne, là. Après, la Zambie est deuxième. Comores, ils sont troisième. Mais je pense que, quand même, au niveau de ce groupe-là, de toute façon, la Côte d'Ivoire, bah, qu'elle finisse dernier ou premier ou je sais pas quoi, dans tous les cas, elle ira à la Coupe d'Afrique. Après, moi, je pense que ça va se jouer la deuxième place entre le Comore et la Zambie. Mais à voir, les amis, parce que la Zambie a déjà remporté sa première confrontation face au Comore. Pour le moment, la Zambie, franchement, elle est bien lancée. Donc, à voir si les frérots comoriens ils vont se réveiller après. Et au niveau du groupe I, les amis, franchement, ce groupe-là aussi, il est vraiment chaud. Hein. Mauritanie, Gabon, Soudan, RDC, il est vraiment équilibré. Et par contre, la RDC, qui a joué les barrages de la Coupe du Monde, ils ont 0 points, les gars. 0 points. Alors qu'il y a quand même des big joueurs, je sais pas, Bakongo et tout ça, ils jouent là-bas, mais je comprends pas. Ils ont 0 points. Mauritanie, ils sont premiers. Gabon, ils sont deuxièmes. Soudan, ils sont troisièmes. Voilà, pour le moment, la RDC est quand même bien larguée, les amis, ils sont très bien largués. Donc voilà, je pense que ça va se jouer entre la Mauritanie, Gabon et Soudan. 4 matchs. Si le prochain match, la RDC, ils ne font pas un bon résultat, je pense que la RDC devra oublier tout espoir de qualification pour la prochaine CAN. Le groupe J, le groupe de la Tunisie. Voilà, la Tunisie qui avait débuté par une victoire. Là, ils ont fait un match nul face au Botswana. Donc, du coup, ils ont 4 points. Guinée équatoriale aussi. Ils ont débuté par une défaite. Ils ont remporté le deuxième match face à la Libye. Ils ont 3 points. La Libye qui avait remporté son premier match face au Botswana. La Libye a également 3 points. Ce groupe-là, quand même, il est un peu équilibré. Hein, parce que, voilà, même le premier, voilà, c'est tout le monde peut encore se qualifier, au fait. Tout le monde peut encore se qualifier. Au niveau du groupe K, le groupe du Maroc, voilà, après leur défaite face aux États-Unis, le Maroc s'est bien lancé dans cette campagne de qualification pour la CAN 2023. Hein. Ils ont remporté leurs 2 matchs. Ils ont 6 points. Et après, bon, t'as le Zimbabwe, comme je l'ai dit, qui est disqualifié. Donc, du coup,
La deuxième place, elle va se jouer entre le Libéria et l'Afrique du Sud. Et pour le moment, ces deux équipes-là ont 0 points. Ouais, parce qu'ils ne se sont pas encore affrontés. Ouais, ils ont 0 points. Donc, du coup, bah, à voir les gars entre le Libéria et l'Afrique du Sud qui se qualifiera pour la prochaine Coupe d'Afrique. Mais bon, comme ça, je dirais l'Afrique du Sud. Mais bon, on ne sait jamais, les gars. Peut-être que le Libéria va créer la surprise dans ce groupe, les amis. Après, au niveau du dernier groupe, le groupe L, le groupe du Sénégal. Voilà, champion d'Afrique, hein, ils sont premiers, totalement logique. Le groupe du Sénégal, franchement, voilà, même si leur dernier match, ils ont galéré un peu, c'était un peu compliqué. Ils ont remporté, je crois, dans les derniers instants du match. Ils ont marqué à la dernière minute. Mais bon, je pense que voilà, le Sénégal, ils sont déjà qualifiés, déjà 6 points. Voilà quoi, le troisième à 1 point, donc du coup, le Sénégal est bien parti. Et les amis, là, Mozambique ou le Mozambique, ils sont aussi très bien partis, les amis. Hein. Mozambique, c'est un pays que j'ai pas beaucoup vu à la Coupe d'Afrique. Donc, à voir, les amis, si la Mozambique va réussir à garder sa deuxième place ou pourquoi pas même aller chercher la première place. Parce qu'aussi, il ne faut pas oublier que la première place, les amis, elle est aussi importante. Hein, parce que ça permettra au niveau des tirages au sort de la CAN 2023 de savoir qui sera dans le chapeau 1, qui sera dans le chapeau 2. Et franchement, c'est aussi important, les gars, la première place de ces qualifications. Donc voilà, les amis, c'était tout. On a passé en revue, on va dire, tous les matchs de la deuxième journée. Voilà, au niveau de la Coupe d'Afrique, il n'y a eu que deux journées pour le moment. Le prochain rassemblement pour la suite de la qualification, je crois, c'est en septembre. Je crois que ça va être, en gros, le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde, je crois bien. Donc, du coup, à voir, les amis. Même pour le moment, voilà, et les équipes comme le Sénégal ou encore l'Algérie ou encore le Maroc qui ont déjà pris vraiment une bonne avance au niveau des qualifications pour cette CAN qui arrive très rapidement, les amis. Ceux les frérots, prenez soin de vous, prenez soin de famille de Palero, restez toujours positifs, les gars, ensemble. Allez, peace.